notamment, si vous permettez, notamment les paiements effectués à l'EDG, à la CEG. Non seulement il y avait le relevé bancaire, Oui. il y avait la copie du chèque à l'EDG, à la CEG, l'émargement des députés, c'est une fiche avec les signatures, les numéros de téléphone devant les noms, et tous ceux, même les quelques autres prestataires qu'on a payés dans l'argent, on avait fourni toutes les pièces. Et c'est après ça qu'on m'a laissé aller à la maison. Mais j'ai été surpris que 48 heures après, que je sois devant la chambre d'instruction et que je dise à minuit 30 s'ils n'ont pas reçu les pièces et qu'ils me disent, voici la chemise, il n'y a que l'accusation du procureur. Dès le lendemain, maître, mes avocats ont écrit pour signaler l'absence de ces pièces importantes fournies à la gendarmerie. Et à ce que je sache, jusque-là, on ne les a pas retrouvées. J'ai cru que la chambre d'instruction aurait demandé à la gendarmerie, si ce n'était pas subtilisé à la CRIEB, de les reproduire, de les donner. Ou de demander au service comptabilité, Monsieur Michel est là, il n'est pas emprisonné. Il est là. Vous pouvez l'appeler pour lui dire, est-ce que tu peux nous fournir toutes les pièces pour l'instruction? Parce que quand on parle de gestion financière, on parle de pièces comptables. Ce que je reproche, on n'a pas fait ça. Est-ce que vous savez, Monsieur Camara, que le dépôt de ces pièces est très important, non seulement pour vous, mais aussi pour la manifestation de la vérité? Mais je suis d'autant plus sûr de ça que je ne croyais pas qu'avec la fourniture de ces pièces, que moi j'allais faire 3 semaines en prison. Mais ça fait 18 mois. C'est vrai que les enquêtes financières, ça prend du temps. Et ça prendra beaucoup plus de temps quand ce ne sont pas des spécialistes qui sont en train de mener l'enquête. Mais pendant ce temps, il y a quelqu'un qui est en prison. Alors, je n'ai pas de problème si ça doit prendre 10 ans. Mais que je ne sois pas en prison. On peut prendre votre temps pour enquêter aussi longtemps qu'ils veulent, comme on a fait pour les autres. Les autres sont libres, c'est moi seul qui suis en prison. Et sur les 186 qui sont accusés, il n'y a que 5 qui sont en prison. Et ce sont les plus gros voleurs. Voleur? Ah oui, mais je dis, est-ce que ce sont les plus gros voleurs qui sont Ah, en c'est une prison ou pas? question que Voilà, vous posez. non, que je me pose. Ah, d'accord. Voilà. Monsieur Camara, vous dites avoir passé le contrat avec Monsieur Kim par rapport au site Oui. de l'Assemblée nationale à Koloma. Oui. Oui. C'est avec Monsieur Kim que vous avez passé le contrat. Oui, c'est avec M. Kim. Monsieur Kim, je veux plus de précision. On est en matière pénale, Monsieur Camara. C'est avec Monsieur Kim ou la société de Monsieur Kim? Je ne sais Plus. plus exactement, mais je sais que c'est une des sociétés de M. Kim. Est-ce que c'est son directeur qui a signé? J'ai la copie du contrat ici. C'est M. Kim, à ce que je sache, a plusieurs sociétés. Il peut ne pas l'avoir signé lui-même. Je vois la signature seulement du prestataire, son nom n'est pas là, mais je sais que ça, ce n'est pas la signature de Kim. Ça doit être son directeur Toubi et M. Kamano. Oui. Mais Monsieur Camara, vous avez fait savoir ici que les paiements ont été effectués à Monsieur Kim. Oui. Vous maintenez cela. Non, absolument, oui. Alors que ce n'est pas Monsieur Kim qui a signé. Mais c'est sa J'ai société. lu le contrat. C'est pas, il n'est pas le directeur. Ce n'est pas lui le gérant de la société. Pourquoi lui payer Parce qu'il est le ce PDG. montant? Il est le PDG. Le PDG est au-dessus de tous
ceux qui sont dans l'entreprise. Ça ne ressort pas dans le contrat. Non, j'ai dit... En vertu de ce contrat, c'est M. Toby qui représente la société. Pourquoi alors payer à M. Kim? J'ai répondu, c'est parce qu'il est le patron de M. Toby. Ah, il est son patron. Absolument, il est le propriétaire de la société. Cher maître. Il est le... Avec votre permission, hein. Il y a M. Kim qui lève le doigt là. Il y a un problème? Bon. Monsieur le Président, je veux poser une question à Monsieur Kim. Monsieur, parce qu'il a pris la parole alors qu'il n'en avait pas le droit. Attendez, vous savez, Maître Camara, vous savez, vous êtes mieux placé pour me faire comprendre à moi, parce que vous êtes les vigiles de l'application de la loi. C'est vous qui veillez à ça. Si on ne fait pas, même vous, vous nous rappelez tout de suite à l'ordre. Et vous avez parfaitement raison dans ce sens. Donc, convenez avec moi, quand cette phase-là, nous sommes en instruction définitive, ces petits détails-là, même si on n'y imprime pas de la forme, mais ça facilite la compréhension de la chose. Vous le savez. Ça vous profite autant que ça nous profite. On aurait pu dire non. Mais vous avez vu, je m'y suis intéressé tout de suite. Moi, je pense qu'on ne doit pas trop regarder la forme. Parce que c'est pour nous éclairer davantage. Dès lors que ça peut au moins nous aider à une meilleure compréhension de la marche. La chose. S'il vous plaît, vous allez continuer tout à l'heure. Monsieur Damaro, les chèques sont payés à Monsieur Kim ou à la société? Non, à la société. Bon, la société. On peut continuer. Oui. Ils sont payés à la société. Et si, bon, j'avoue que je ne connais pas où travaille Toubi. C'est pas, je ne connais pas ses bureaux. Non, M. Kamara, moi je voulais poser une question à M. Kim. Voilà. Pour savoir pourquoi lui il a payé, il aurait payé de l'argent à M. Luceni Kamara. Voilà. Feu Luceni Kamara, alors que c'est la société qui avait perçu l'argent. Maître, il paye de l'argent qu'il n'a pas perçu. Je vous donne raison. Vous avez vu pourquoi je vous dis d'écarter parfois de la forme lorsque ça peut contribuer à nous aider à la manifestation de la vie. Donc, posez cette question à monsieur. Monsieur Kim, venez, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Oui, monsieur Kim, je voudrais savoir pourquoi vous auriez payé de l'argent à feu Luceni Kamara alors que l'argent a été payé à la société et non à vous. Lorsqu'il m'a demandé... Alors que vous aviez fait savoir ici que c'est de l'argent qui vous a été payé en vertu de ce contrat que vous avez donné une part à M. Luceni Kamara. Non, on n'a pas payé une part à M. Kamara comme ça. Il a insisté, il a demandé. M. Kim, si moi-même j'insiste aujourd'hui, je vous demande, vous allez me donner 50 millions. J'insiste, M. Kim. C'est pas sûr. J'ai besoin de 50 millions maintenant. C'est vous allez sûr. Le faire? Il est possible. Pourquoi vous l'aviez fait avec lui alors? Parce que c'est impossible. Vous avez rendu possible ce qui est impossible. C'est pour ça. Pourquoi? L'autre fois, vous m'avez posé la question. Non, pas moi. Je ne vous ai jamais posé de question ici. Ici. Moi, non. Si je considérais que c'est une arnaque, j'ai répondu oui. Bon, est-ce qu'on peut... Donc vous pensiez quand même que c'était illégal, hein, qu'on vous demande de l'argent pour un marché public que vous aviez exécuté. Vous êtes d'accord avec moi que ça c'est illégal? Oui, c'est illégal. Merci Monsieur Kim. Vous pouvez me laisser continuer avec Monsieur Kamara. Merci bien.